et une petite session de réparation, gros grondement agaçant. Bidouilleur, salut! Voici donc une session de réparation. C'est un appareil que j'ai rapporté de chez ma mère qui était en remisage depuis des années. Je me suis dit pourquoi pas le remettre en route, voir s'il est possible de le faire fonctionner. Je ne savais pas sa condition. Je l'ai essayé à mon retour ici et j'ai constaté qu'il y a un petit problème. Bon, alors c'est un Sony CFDS36. C'est un combiné, donc radio AM/FM. Lecteur CD et enregistreur lecteur cassette. Ça date des années 90, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas de la grande qualité, mais ça joue quand même. Ça pourrait être typique dans une cuisine, par exemple, comme appareil. Alors, pourquoi pas le remettre en route? Voici son trouble. Radio, CD, fonctionne bien. Cassette, gros problème. Je vais vous le montrer, c'est quoi? Il y a quelque chose qui est peut-être déconnecté ou mauvais contact, pas normal, bien, je vous propose qu'on regarde ensemble c'est quoi le trouble. On va essayer de réparer l'appareil, pourquoi pas. Allons-y. Alors oui, le trouble est le suivant. Toutes les fonctions du combiné radio-cassette fonctionnent bien, même le CD, puis ça habituellement là, avec les années. Les pistes, quand on va à la plage, la dernière plage d'un CD, souvent ça souffre un peu. Il ne semble pas y avoir de problème avec le CD. La radio fonctionne bien, je vous épargne de cette démonstration. Le problème, c'est avec le lecteur cassette. Et puis, le voici, le problème. Peu importe quelle touche on enfonce. Et bien sûr, je suis en mode cassette ici. On entend un hum. Alors, évidemment, qu'on aille en avance rapide ou en reculons, ou en lecture, play, on entend le hum, et ça, c'est simplement parce que l'amplificateur audio est toujours mis en fonction, même quand on avance et on recule. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait causer ce problème? J'ai déjà vu dans le passé, sous toute réserve, on ne l'a pas ouvert ici, là, j'ai déjà vu le câble coaxial connecté à la tête de lecture qui se déconnecte, étant donné qu'il y a un mouvement toujours d'aller-retour lorsqu'on fait play, stop, et surtout le stop est assez violent, hein? Il y a un retrait de la tête raide, et j'ai déjà vu sur une platine Sony, qui datait des années 70, une déconnexion, là, ça s'était dessoudé carrément. Et il fallait, à toutes les quelques années, le ressouder parce que ça se reproduisait encore. C'est peut-être cela, un gros grondement du secteur, donc on va aller voir, c'est définitivement quelque chose qui semble être déconnecté, ou en tout cas un manque de filtrage peut-être sur le bloc d'alimentation. Mais le reste de la radio fonctionne bien, donc ça serait surprenant qu'il y ait un problème de bloc d'alimentation qui affecterait seulement la platine à cassette. Alors on l'ouvre et puis on va regarder. Petit fait à noter lors du démontage, on nous a placé des vis là, très très loin, plus de 10-12 cm de profondeur, et un tournevis régulier ne se rend pas. Alors j'ai cette pointe de tournevis qui est très intéressante, c'est qu'elle est très étroite sur une longue distance, pas plus grosse que la grosseur de la tête. Et ça, bien, c'est bien utile pour ce genre de problème, et même que le diamètre ici n'est pas très gros, donc je peux me rendre jusqu'à la vis sans difficulté et dévisser l'ensemble. Mais vous verrez des fois ça sur les anciens écrans d'ordinateur, particulièrement, je crois, aussi les Macintosh avaient ce problème. Donc, un peu agaçant, mais il faut être équipé en bons outils pour pouvoir se rendre et faire nos choses. Sinon, on est figé là. Alors, 8 vis plus loin et 2 câbles à débrancher. Les haut-parleurs et un petit connecteur, petit ruban ici pour les boutons à l'avant, là, les différentes fonctions. Alors ça, c'est facile à enlever, c'est très bien. Maintenant, le défi est à l'intérieur. Je parle de belle modularité pour pouvoir enlever la façade, mais belle modularité à l'intérieur aussi pour atteindre le mécanisme cassette qui est sur le dessus ici. Là. J'ai essayé à l'œil d'inspecter avec une lumière tout pour voir la tête de lecture
Et c'était à toute fin pratique impossible, là, ou à peu près. Alors, et pour retirer cette plaquette, ben, ça va être extrêmement difficile. Je présume qu'il faut la retirer comme un tiroir à l'arrière, puisqu'elle est plus large que l'ouverture ici à l'avant. Et c'est juste une petite partie de la plaquette qui se projette vers l'avant. Donc, ce serait vers l'arrière qu'il faudrait la retirer. Et habituellement, le mécanisme de cassette à l'intérieur n'y est pas attaché. Donc, pas évident. Mais il y a certainement une chose qu'on peut faire dès le départ, c'est de faire une petite inspection. Comme je vous dis, ça a été extrêmement difficile à l'œil, juste comme ça, mais avec la caméra endoscopique, on va pouvoir regarder et voir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je l'insère ici, dans cette fente, et je tourne. Voilà, voici la tête de lecture. On voit bien qu'il y a des fils de connectés à l'arrière. Ça semble être soudé, en effet. Si j'active la tête, je la fais avancer comme ça, on voit que les fils ne bougent pas. Et ce n'est pas surprenant parce que c'est certainement attaché après le chariot qui s'avance et se recule. Vous voyez le chariot, incluant le gros câble, c'est attaché, tout attaché après. Donc, il serait surprenant que la tête soit dessoudée. Ça serait surprenant. Pas impossible par contre. On voit les différents fils. Et on peut changer l'angle. Alors, je vais prendre un pic. Je vais tenter d'aller toucher les fils. Et je me rends. C'est merveilleux. Bon, le fil rouge est bien connecté. Ça, il n'y a pas de doute. Le fil... fil blanc aussi. Je tire dessus, ça ne bouge pas. Le jaune semble solide aussi. Vraiment, je ne vois pas de difficulté là. Ça semble, on le voit bien soudé là, ici, là. Et j'arrive pas à bouger le fil jaune non plus. Non, c'est soudé. Voilà, on l'a vu, c'est bien soudé, soudé, soudé. Et le noir, plus à droite, c'est la gaine, la tresse, je devrais dire, du câble coaxial. Et celle-là aussi semble soudée. Ça semble pas un problème de soudure directement à la tête, en tout cas. Moi, je ne vois pas ça. Alors, j'ai continué de retirer des vis, 4 vis de plus. Et voilà! J'avais un câble à l'alimentation ici, à déconnecter, débrancher. Mais j'ai finalement atteint la plaquette, en tout cas, vue du dessous. Et on va pouvoir faire une bien meilleure inspection, si je peux réussir à sortir ça de l'ensemble. Je vous reviens. Alors, j'ai extrait la partie supérieure. J'ai fait une petite observation rapide. Je n'ai pas vu aucun condensateur couler ou rien de visible, là, qui un fil déconnecté ou en tout cas, dessoudé, une mauvaise soudure. Je n'ai rien vu d'évident à première vue. J'ai quand même parcouru rapidement, là. J'ai dit, tiens, je vais brancher puis je vais bouger les choses pour voir si je peux ramener le fonctionnement correct. Alors, j'ai les trois morceaux séparés, l'arrière, le dessus, la devanture, et je réussis à le faire fonctionner avec le lecteur cassette. Ce que j'ai fait, là, je l'ai mis en fonction. Vous l'entendez gronder un petit peu. Bon, alors là, la platine cassette joue. Je vais retirer la façade, je vais la déconnecter. Ça ne changera rien, l'appareil reste allumé. Ce ne sont que des boutons, hein, à pression temporaire. Si je déconnecte la façade, l'appareil va continuer à fonctionner, il va rester en mode cassette. Je n'aurai plus de contrôle sur le volume, mais je l'ai ajusté. Donc, je retire le ruban, je le déconnecte et je retire la façade comme ceci. Et vous voyez que c'est écrit... Je sais pas si vous pouvez bien le voir là. Tape. Donc, il est en fonction. Et là, je vais partir. Vous allez remarquer, quand même, vous devez l'entendre, un petit grondement. Un petit grondement agaçant. Il est encore là. Un peu. Mais croyez-le ou non, juste le fait de démonter l'appareil, le grondement est parti à 90-95%. Et la musique joue.
correctement. Il y a quand même ce petit grondement agaçant. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça ne me satisfait pas. C'est pas une réparation. J'ai simplement bougé les choses et il s'est remis à fonctionner. Il y a quand même ce petit grondement agaçant. On l'entend qui se mélange avec le passage doux dans la musique. Donc, on tombe à un stade où il s'agirait de bouger avec les doigts, là, aller se mettre les doigts dans les différents circuits puis essayer de trouver pourquoi le grondement est disparu et s'il va revenir. Une note importante aussi, je dois vous mentionner, j'ai dû me fabriquer une extension électrique puisque ce câble qui envoie l'alimentation à toute la platine était trop court pour extraire l'appareil et le laisser brancher. Alors, je me suis fabriqué de fortune une petite extension avec de la récup. C'est toujours bon d'avoir de la récupération d'autres appareils de consommation. Petit câble ici, mâle, femelle, pour allonger ce câble ruban. Donc, il s'agirait maintenant de bouger. Et la meilleure chose à faire, c'est de couper la musique et de trouver un passage où il n'y a que... En fait, je peux même retirer complètement la bande magnétique et me mettre comme ceci. Là, on entend bien le grondement. Et aller bouger tranquillement. Tenter de bouger les choses liées à la platine à cassette pour voir si le grondement va disparaître. Ça, c'est le fil ici. Je ne sais pas si c'est bien visible. C'est le câble venant des têtes. Alors, je bouge cette partie et ça ne change rien. Alors ça, c'est une petite plaquette, une mini plaquette ici, qui fait la polarisation de la tête ou des têtes, avec un interrupteur ici pour l'enregistrement. Il n'est pas impossible que cet interrupteur soit défectueux, puisqu'il fait un contact même quand il est retiré, je crois, non seulement lorsqu'il est appuyé. Donc, est-ce que ce petit interrupteur qui glisse, hein, c'est un interrupteur glissant, est-ce que c'est lui qui pourrait être en trouble, encrassé par exemple? Oh! Oh! Ça, c'est, comme je vous explique, là, c'est un interrupteur pour mettre en mode enregistrement. Voilà, là, je suis en mode enregistrement. Et là, je reviens en mode lecture. Il me semble bien intermittent, ce petit interrupteur. Est-ce que ça pourrait être l'explication? Juste simplement des mauvais contacts? Attendez voir, on va lui mettre du nettoyant. Alors, j'ai nettoyé avec du nettoyeur à contact, là, potentiomètre et contact, là, bien ordinaire, rien de spécial. Alors, j'ai reculé la cassette au début de la bande et voyons lorsque j'appuie si on entend le grondement. Eh bien, j'ai mon voyage, pour prendre une expression québécoise. Semble être disparu. Je n'entends plus du tout de grondement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en entends plus. Est-ce que c'est simplement l'interrupteur qui est encrassé? Mystérieux. Là, je n'appuierai pas sur le contact ici, puisque je vais enregistrer par-dessus ma bande. Je peux quand même aller bouger. Ben, on dirait bien que le problème est parti. Je réécoute à nouveau le passage sans musique. Eh oui, il n'y a plus de grondement. Parti complètement. We'll be right back.
Problème réglé, tout simplement. L'interrupteur, enregistrement, lecture. Eh bien, je suis un peu perplexe, mais je n'arrive plus du tout à faire le problème. Eh bien, solution, nettoyeur à contact, c'est tout. Et là, j'ai fait un enregistrement avec aucune musique, juste pour voir si ça reproduirait un bruit sur la bande. Écoutons. Voilà, on a entendu le passage qui est un peu plus bruyant. C'était l'enregistrement à vide. Aucun grondement. Donc, problème réglé. Alors, voici l'interrupteur en question qui avait un mauvais contact. Lorsque j'appuie sur enregistrement, vous voyez, il est actionné. Et si j'appuie seulement sur play, donc lecture, il n'est pas actionné. Donc, enregistrement actionné, lecture pas actionné. Dans cet interrupteur, ben, il y a des contacts normalement ouverts et des contacts normalement fermés. Et c'était les contacts normalement fermés, ceux qui sont toujours actionnés lorsqu'on fait de la lecture, sans appuyer donc sur l'interrupteur, qui s'était encrassé avec le temps. Peut-être si j'avais fait un enregistrement, passe à la lecture, enregistrement, lecture, ça aurait temporairement, du moins, réglé le trouble. Mais c'était tout simplement cela. Et j'ai bien sûr bougé tout ce qu'il y avait sur cette plaquette. Si il y a un circuit intégré qui s'occupe, comme je vous mentionnais, de faire la polarisation des têtes et la récupération de l'audio qui s'en va ensuite dans ce ruban, qui s'en va sur la carte mère. Et j'ai bougé ce ruban aussi, ainsi que le connecteur en dessous, pour vérifier si ce n'était pas un mauvais contact. Non, ce n'était pas le cas. Alors, tout semble rentrer dans l'ordre. Je suis convaincu que je vais me faire reprocher de ne pas avoir parlé de l'appareil. Mais je vais le faire rapidement puisque c'est un appareil très commun, comme il s'en est conçu et vendu beaucoup dans les années 90. Rien de très bon en termes de qualité sonore. Par contre, pour la fonctionnalité, c'est bien correct. Alors, c'est un combiné radio AM/FM, cassette et lecteur CD, deux haut-parleurs stéréo avec mode d'expansion du son, donc. On crée probablement un délai entre les deux voix là, pour créer une espèce d'effet de largeur. Alors, le modèle, c'est le CFDS-36 de Sony. C'est un appareil qui fonctionne sur le secteur, mais aussi à pile. Et c'est un manche-batterie 6 piles D. Imaginez-vous le coût de 6 piles D pour faire fonctionner cet appareil. Combien de temps il fonctionnerait sur 6 piles D, je ne sais pas. Il faudrait fouiller, trouver le manuel. Mais, ouch, quand on pense pour des piles de bonne qualité, là, 6 piles D, ouh là 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 là. On a besoin vraiment d'avoir cette autonomie sur la plage ou ailleurs pour investir autant dans des piles. Bon, une antenne intégrée à l'arrière qui se déplie bien sûr lorsque nécessaire. Vraiment, pas grand-chose d'autre à ajouter. Poignée qui se transporte et qui s'escamote. C'est donc un lecteur-enregistreur cassette. Il n'y a aucun mode de type de cassette, réduction de bruit ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment un modèle vraiment de base. Mais il fonctionne bien. Vous avez entendu la reproduction lorsque branché sur la sortie casque, directement dans l'ordi pour saisie là, de l'audio pour la vidéo. Ça semblait correct, sans être exceptionnel, c'était correct. Par contre, lorsqu'on écoute avec les haut-parleurs, c'est très faible comme qualité. Manque d'aigu, manque de grave, malgré ce qu'ils appellent le méga bass, qui est un mot, une phrase là, utilisée par Sony sur à peu près tous leurs produits. Et on essaie même de parler de bass reflex body, donc un corps qui permet de faire le mode bass reflex, donc des haut-parleurs. Pff, oubliez ça.
Une vraie farce. C'est ça, ça, c'est pour faire parler le monde, tout simplement. C'est une histoire pour vendre plus d'appareils. Sinon, ben, lecteur CD classique, avec le genre de mode standard. Ah, j'oubliais, je voulais vous mentionner. Ça vient quand même avec une télécommande complète, là, qui permet de contrôler le volume, les modes, les stations de radio et ainsi de suite. Donc, correct, mais sans plus. Que voulez-vous? C'est un petit combiné, utile dans la cuisine ou dans le cabanon, mais pas dans le salon, dans la salle de séjour pour faire de l'écoute audio haute fidélité. Et en plus, sans surprise, il y a eu jaunissement du plastique. Regardez à l'intérieur, une espèce de gris beige, la couleur d'origine. Regardez avec le temps comment la couleur a changé. Alors, ce genre de jaunissement peut arriver, là, bien sûr, généré par les ultraviolets, mais ça peut même se produire dans un placard totalement à l'abri de la lumière. Ça peut changer avec les années. Donc, c'était apparemment, et ça reste à prouver, là, c'est apparemment les agents de retardateurs de flammes qui sont ajoutés au plastique qui causent ce jaunissement avec les années. Alors, ce n'est vraiment pas très beau, mais quand c'est uniforme, comme c'est le cas ici, ça passe un peu plus. Lorsque ce n'est pas uniforme, c'est vraiment pas beau. Il y a moyen de faire un traitement pour ramener le plastique à sa couleur presque d'origine, à peu de choses près, avec du peroxyde d'hydrogène concentré et de la lumière ultraviolet. Mais c'est pénible. Ici, pour un appareil de ce type, moi, je dis que ça n'en vaut pas l'effort ni l'investissement en peroxyde d'hydrogène. C'est simplement un petit lecteur, là. Rien de particulier. Et une fois qu'on fait le traitement pour ramener la couleur d'origine, il n'est pas dit que ça ne reviendra pas, ça ne rejaunira pas avec le temps. Donc, je crois que c'est un processus qui est irréversible, d'une façon ou d'une autre. Alors, pour ajouter un petit peu à la discussion sur comment c'est bien construit ou pas, je peux vous dire que l'intérieur, c'est bien fait, hein? C'est de la qualité commerciale, on s'entend, consommateur, là. Ce n'est pas industriel, c'est pas un instrument de mesure, en tout cas, ça c'est sûr. L'instrument était facile à démonter pour accéder aux différents composants qu'une dizaine de vis, et puis c'était fait. Cependant, il faut réaliser qu'on n'avait pas à défaire la plaquette mère principale, et donc c'était, jusqu'à maintenant, ce n'était pas si mal. Il aurait peut-être fallu défaire beaucoup plus de vis et de travailler sur le montage un peu plus. Bon, quoi qu'il en soit, si on avait eu à utiliser le manuel de service, on n'a pas eu besoin, mais si on avait eu à le faire, croyez-moi, il est très beau, très bien fait et d'excellente qualité. La version PDF est superbe, celle qui est disponible sur le web. Alors, ça aurait été intéressant d'utiliser ce manuel pour faire la recherche du trouble. Mais ce n'a pas été requis, malheureusement. Bon, pendant que j'étais en dedans aussi, j'en ai profité pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de poussière, sinon je l'aurais passé à l'air comprimé, bien sûr. Aussi, j'ai inspecté la courroie du lecteur de cassette pour être certain qu'elle n'était pas craquelée, ficelée, ou même, comme on a déjà vu, en décomposition, ça devient comme du goudron. Elle était en excellente condition, donc on n'y touche pas. J'ai évidemment inspecté les condensateurs électrolytiques pour être certain qu'il n'y en avait aucun qui montrait des signes d'écoulement ou de gonflement. Ça, c'est chose qu'on fait toujours lorsqu'on regarde à l'intérieur d'un appareil électronique. Il n'y en avait pas. Et finalement, je n'ai pas constaté d'ajustement requis. Là, il y a quelques ajustements, bien sûr, à l'intérieur qui auraient pu être faits, surtout dans la partie de la radio, mais on n'y touche pas. Il n'y avait pas de nécessité de toucher à cela. Donc, somme toute, ça a été une réparation, si on peut appeler ça une réparation, qui était assez simple. Quand on s'engage dans une réparation, et par surcroît, quand je fais une vidéo, je ne sais jamais, ça pourrait être très simple, ça pourrait être très complexe. Je le filme, j'enregistre la vidéo et je vous montre le résultat. Dans ce cas-ci, c'était relativement simple. Ça arrive régulièrement que ce ne sont que des mauvais contacts. Parfois, on perd une voix, donc canal gauche, canal droite, sur des haut-parleurs.
Et ça, c'est simplement des mauvais contacts dans des interrupteurs pour choisir premier jeu de haut-parleur, un deuxième jeu. Ça arrive souvent, ce genre de problème. Dans ce cas-ci, c'était le petit interrupteur de lecture-enregistrement. C'est un interrupteur qui est de double pôle, deux directions, actionné lorsqu'on pèse sur la touche enregistrement. C'était simplement cela. Alors, un peu de nettoyant sans régler le problème, c'est tant mieux. Ça aurait pu être plus complexe, et parfois je souhaite que ça le soit plus complexe pour vous, mais n'inventerez pas des troubles quand même. Finalement, j'ai un petit commentaire à vous faire. Certains, suite à mon petit banc d'essai de la caméra endoscopique que j'avais fait, avaient dit que c'était inutile ce genre de caméra. La qualité était insuffisante, ça ne servirait à rien. Moi, je prétends que ça servait à quelque chose. Et bien, j'en ai fait la démonstration aujourd'hui. L'image était plutôt floue. La raison est simple, c'est que je ne pouvais pas reculer. J'étais pris pour passer sous un muret et ça imposait la distance très près de la tête. Donc, c'était un peu flou, mais si j'avais pu reculer un peu, ça aurait été net. Mais ça m'a servi. L'éclairage intégré, évidemment, m'a servi beaucoup. Donc, c'est le genre d'outil qui peut toujours être très utile. Et aussi, on a constaté que d'avoir du matériel accumulé, c'est toujours très utile aussi, comme le petit bout de câble que j'ai fait. Alors voilà, ça met fin à cette vidéo. J'ai couvert ce que je voulais dire sur le sujet. J'espère que vous avez apprécié, même si ce n'était pas trop complexe, compliqué. On ne sait jamais. On se reprend pour une prochaine. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine.